Yo no sé qué pasaba por mi mente, si fue el alcohol, un error de lo que quedaba pendiente. Y aparte tú, yeah, te alejabas lentamente. Pedir perdón no fue una opción, te llamé más de mil veces. Porque... Petite pizza de légumes, brocoli, courgettes, olives, un petit peu de morbier et des oignons rouges. Miam, miam, miam. Et coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va à peu près... Attendez, je vais enlever mes lunettes, j'ai peur que ça vous fasse un contre-jour là, dans le truc. Écoutez, ici, ça va à peu près, à peu près. Nous sommes mercredi 20 mars, il est 17h15 exactement. Dans un quart d'heure, je dois être dans le cabinet de mon médecin, mais je suis sur le parking. J'ai rendez-vous pour ma sinusite, vous savez, j'avais anticipé. Franchement, je me suis tâtée toute la journée puisque j'ai l'impression qu'il y a une légère amélioration. Mais dès qu'il est 18h, 19h, j'ai le nez à chaque fois, mais plein. Et la nuit, ça m'empêche de dormir, ça me fait mal. J'ai quand même mal là quand j'appuie et tout. Vaut mieux prévenir que guérir. Je préfère me faire voir. Et surtout que vu que dimanche, j'ai ma course, je veux vraiment pas que ça... imaginons que là j'y vais pas tranquille et tout, demain ou après-demain imaginons que j'ai un pic de fièvre, je m'en voudrais terriblement de pas avoir été chez le médecin, donc tant pis, j'y vais. Je me rappelle plus trop hier les prises que je vous ai fait hier soir. Alors hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Journée sympatoche, IFAS machin, j'avais une réunion de délégués. Et puis hier soir, normalement, j'aurais dû faire ma séance puisque tous les mardis, vous savez, j'ai ma séance de run. Mais j'étais pas bien hier soir, j'étais fatiguée. Ouais, j'avais pas. C'est pas que j'avais pas envie parce que courir, j'ai toujours envie de courir. Mais j'étais fatiguée et en fait, Vincent. Ah oui, il y avait ça. Vincent avait un client à aller voir. Donc en fait, quand je suis rentrée, il était environ 17h50. Par chance, je suis rentrée un peu plus tôt que d'habitude. Et du coup, Vincent, à 18h, a dû décoller pour aller voir un client. Il est rentré. Il était 20h10 ou 20h30. Je sais plus, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, je me suis occupée de tout, le bain, les enfants, etc., etc. Et vu qu'on n'avait pas fait les menus, la misère pour trouver quoi faire. Donc je ne l'aurais pas fait un truc super compliqué. Je l'aurais fait des pâtes avec de la viande hachée et du coulis de tomates. Impeccable, et des petites tomates en entrée, voilà. Et après, bah, pour le reste, un peu compliqué, hein, ma foi, parce que bah, du coup, je savais pas trop quoi faire pour nous. Et du coup, Vincent m'a dit bouge pas, dès que j'arrive, je fais une pâte à pizza et on se fait des pizzas de légumes. Et puis voilà, j'ai dit allez, vas-y, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, le temps qu'il arrive, que je couche les enfants et tout, franchement, j'ai regardé l'heure, il était 20h48 et je me suis dit, c'est pas à ce temps-là qu'il faut que je cours. Je suis fatiguée de ma journée, je vais pas donner une perf comme il le faudrait. Et de deux, je le sentais pas. Et quand je le sens pas, bah voilà, je voulais pas prendre le risque de me blesser ou quoi que ce soit. Donc je ne suis pas montée sur le tapis. Ce soir, je vais monter par contre dessus. Je vais faire une petite séance parce que je suis quand même à J-4 de ma course. Et que c'est pas le moment que j'arrête mes entraînements alors que je suis aussi près du but. Mais c'est que vous voyez, j'ai un peu mal au crâne et tout. Tout de suite, je suis fatiguée. Et c'est pas simple. C'est pas simple avec la crève de caler des séances. Mais ce soir, voilà, je ferai ma petite séance. Je sais pas si je fais celle d'hier ou si je fais celle d'aujourd'hui. Je vais voir. Et après, la prochaine, c'est vendredi, mais c'est une séance pré-course. Donc, c'est vraiment très, très peu. C'est genre même pas 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Mais bon, écoutez, je vais me faufiler dans la salle d'attente du médecin. Et puis, je vous reprends après. J'ai commencé à faire un drive. Peut-être que je vais terminer dans la salle d'attente. Et puis les menus, tout ça. Et puis aujourd'hui, on a parlé de la maladie, les maladies de Parkinson. C'est triste cette maladie aussi. Pff. À chaque fois que je suis en train de regarder le processus d'une maladie, à chaque fois, ça me fait de la peine dans le sens où je me dis, mais elle est horrible cette maladie. Et à chaque fois, j'en apprends sur une autre, je fais, mais elle est horrible cette maladie. Enfin bon, bref, quand j'entends parler de tout ça, j'ai qu'une envie, c'est de les accompagner, de les aider et d'être là le plus possible pour tous ces pauvres patients là, qu'on va demander. Enfin bref. La magie du corps humain, quoi. Hein. Allez, chez le médecin. Bah non. Et coucou, vous. On est jeudi, il est 22h, plus de 22h. Je viens de finir courir. Je suis complètement tarée. Mais alors, si vous saviez, je sais même pas où on s'en a arrêté au niveau des vlogs et tout. Je sais même pas ce que j'ai filmé cette semaine. Je crois que ça fait plus de 3 jours que je poste pas. Je vis une semaine, mais je suis déglinguée. Si, je crois que j'ai vlogué un peu hier.
avant d'aller chez le médecin, je crois. Pff, franchement, j'ai pas. Cette semaine, j'ai vraiment le temps de rien. Je suis, mais. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, avant que j'ai des courses, comme ça, j'ai ma course dimanche, hein, vous savez, et il m'arrive tout le temps des trucs où il y a de la fatigue, où je suis malade, où je peux pas faire une course sans que ça se passe correctement. Bref, je vais à la douche et après, je vais vous filmer un espèce de retour de course. Puisque j'ai fait les courses et j'ai tout sur l'îlot, donc je vais filmer les produits. Ça, je vais l'inclure dans ce vlog là. Je suis désolée si vous n'aimez pas les retours de course, mais voilà, j'ai pas trop le choix parce que je vais pas vous filmer. Je vais être à moitié en pyjama, je vais pas mettre un retour de course campige, hein, n'est-ce pas? Mais et à la fin, je vais vous prendre et je vais vous faire un mini blabla pour vous raconter un peu mes deux derniers jours là. Mais j'ai une semaine de dinguissime, voilà. Et je pèse mes mots, je pèse mes mots. Bon, si je vous mets là un peu penché, ça devrait le faire. Je sors de la douche. Je sors de la douche, mais je me suis dit que j'allais vous faire le blabla finalement tout de suite et que j'allais clôturer le vlog ici et que je vais vous faire une vidéo retour de cours, je pense, demain. Et voilà, parce que là, franchement, je suis chaos technique et j'ai qu'une seule envie, c'est de manger et d'aller au lit. Donc, je vais clôturer ce petit vlog et soit je vous sors dans la foulée là, parce que je vais pas aller au lit en ayant l'estomac plein, donc la petite demi-heure, le temps d'aller au lit et tout, peut-être que je montrerai le vlog, je vais voir ce qu'il y a comme prise, et sinon bah, je suis vraiment désolée, mais vous l'aurez que demain, et je compléterai avec demain, je vais voir, ça sera la surprise du chef, mais là franchement je suis, en fait, déjà mes journées d'IFAS, elles me, en ce moment, on est sur du chapitre quand même qui est assez lourd, on est sur toute l'anatomie, physiologie, tout ça, tout ce qui est, comment on appelle ça, j'aime plus les mots, tout ce qui est pharmaco et tout, vous voyez, donc c'est des trucs qui sont très très lourds, c'est des trucs qui sont très très longs à faire, et ça demande énormément de concentration et tout, donc bref, c'est assez, ils sont longs mes cheveux quand même, moi, je peux pas vous faire voir, mais là, ça y est, on est passé en dessous le téton, quoi. En dessous le téton. Ouais, c'est des choses quand même qui sont très... Voilà, faut bien les mémoriser. C'est long, c'est répétitif, les termes, les machins. Donc, bon, bref, c'est assez... voilà, voilà. La route, toujours la route qui me fatigue. Hein. Ça, on va pas se mentir. Le stress de la route, tout ça. Vous habitez à 20 minutes de votre lieu de travail. C'est à ça, à avoir quand vous habitez comme moi... à trois quarts d'heure et que vous avez de la route, hein. Voilà, donc ça déjà c'est hyper fatigant, j'ai la crève qui me fatigue aussi, donc je suis allée chez le médecin hier et comme vous avez pu le voir, je vous avais dit que j'avais une sinusite, c'est bien ça, j'ai fait une bonne crise de sinusite et en plus de ça j'ai une otite à l'oreille droite, donc du coup je suis sous antibiotiques et j'ai des gouttes à mettre parce qu'en plus de ça je pense que ça faisait un petit moment que je l'avais cette otite et que ça venait, ça repartait et tout, et que ça m'a créé en plus de ça un bouchon, donc du coup j'ai tout ce qu'il faut pour m'enlever le bouchon, là j'ai mis de l'eau parce qu'il m'a conseillé de mettre un petit peu le jet comme ça, sauf que j'entends pas de cette oreille, donc si je parle fort je suis désolée, c'est que j'entends pas du coup au niveau de mon oreille, je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire, mais je suis en train juste de mettre mon huile, vous savez, il me reste que ça là, je reprendrai l'autre la prochaine fois, je vais changer, j'aime bien, mais de Kérastase elle est très bien. Et ouais, donc du coup je suis rentrée très tard parce que j'ai été chercher Léonie chez son papa. Je suis rentrée, il devait être 19h, 19h15 hier. Donc c'est Vincent qui a géré les couchers, qui a géré du coup le repas, tout ça. Moi pendant ce temps là, quand je suis rentrée, je l'ai aidé après à faire les couchers. Une fois que j'ai fait les couchers, je me suis mis sur le drive. J'ai prévu un drive pour ce matin puisque là le frigo crée famine et qu'on n'avait pas fait de menu en début de semaine. Et quand on ne fait pas de menu, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, et je me suis endormie devant la télé, il devait être 10h, je dormais déjà sur le canapé. Donc Vincent m'a dit, viens me fondre au lit. Donc du coup on a été au lit, ça m'a fait une bonne nuit récupératrice. J'étais bien ce matin, enfin ça allait ce matin, malgré la crève, tout ça. Mais du coup je n'ai pas couru lundi. Ça c'était mon jour de repos puisque j'ai couru dimanche. Mais je devais courir mardi et mercredi. Je n'ai pas couru mardi, je n'ai pas couru mercredi parce que mardi, chaos technique avec la crève. Et hier, pareil, j'étais super fatiguée. Donc bon, normalement, une semaine avant votre course, vous devez réduire un petit peu vos...
vos entraînements, mais pas forcément l'intensité. Donc aujourd'hui, avec une journée, donc pareil, l'efface comme ça. Et en fait, j'avais rendez-vous avec ma cadre de mon prochain service. Donc c'est sur un secteur où c'est à l'opposé de l'IFAS. Donc j'ai dû demander une dérogation pour partir un peu plus tôt. Je suis arrivée à mon stage à l'heure, etc. Et après, j'ai dû aller aider une amie pour... voilà, j'ai dû aller voir une copine et elle avait besoin de moi à ce moment-là. Donc je suis allée la voir. Les amis, c'est ça, les vrais amis, quand il y a besoin, et ben, ils sont là à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Et du coup, ça m'a fait rentrer à 8h. Donc, j'ai eu mon rendez-vous avec ma cadre. Il devait être 17h30. Je suis sortie, il était 18h30, 18h40, quelque chose comme ça. Le temps d'aller voir mon ami et de revenir, il était 8h. Là, je suis pas... Je suis quand même arrivée pour le coucher. Donc, j'ai fait des bisous et tout. Et puis, ben, là, du coup, après, j'ai dit à Vincent, ce soir, je j'en ai besoin, même si j'étais fatiguée, j'avais besoin de faire une séance. Et puis bon, bah, parce que je m'accourse quand même aussi dimanche, donc j'ai fait ce qu'on me demandait sur Runmotion. Je devais faire 35 minutes à une allure spécifique et faire des allures à allure VMA. Je devais en faire 6, donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai chié, mais bon, c'est fait. Et demain, je dois faire une micro-course puisque je suis à J-3 de la course. Et puis voilà, je vais masser un petit peu les gambettes ce soir. Et voilà, on va manger. Je vous mettrai à la fin du coup les petites prises du repas. Il n'y a rien de compliqué, c'est riz, petit pois, carottes, poule à l'ail. Voilà, rien de compliqué, c'est Vincent bien sûr qui a fait le repas. On se rend pas compte comme ça, mais là quand je suis rentrée tard, je me suis dit c'est quand même 2 jours de suite où je rentre tard. Moi je suis pas le genre de femme qui dès que je peux je me barre du foyer ou qui... Ouais, en fait, je suis reconnaissante de mon homme. J'ai voulu avoir une famille. Et pour moi, ma famille, c'est ma priorité. Et sans Vincent, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Sans parler de la course, parce que la course, je le fais à des horaires spécifiques où ça ne gêne pas ma famille. Genre le soir, là, plus particulièrement le soir, ou quand je finis plutôt l'IFAS et que ça ne change rien au niveau planning, temps horaire ou autre, ou le samedi matin quand je suis avec Bibou. Le dimanche, bah, c'est mon petit kiff, mais c'est quand même rare que je cours le dimanche dehors. C'était plus souvent sur le tapis. Sauf que là, il commence à faire beau, les beaux jours arrivent, il fait nuit plus tard et tout. Ça va être le kiff pour aller courir. Mais quand je vais à la pole, déjà sur toute une semaine, si vous regardez bien, je ne peux pas aller chercher mes enfants à l'école puisque mes horaires ne me permettent pas. Je rentre, il est 6h, 6h15. Donc c'est Vincent qui gère déjà tous les soirs le fait qu'il va chercher les enfants à l'école. En plus, il les emmène le matin parce que moi, je pars, il est 7h10. Donc il les emmène, il va les chercher, il fait les goûters, les devoirs. Généralement, moi quand j'arrive, soit on est sur la fin des devoirs et je supervise, ou soit c'est l'heure des bains, des douches, donc moi je prends le relais généralement sous les douches, on fait à manger, enfin voilà. Et c'est comme ça tous les jours de la semaine, sauf le jeudi soir, où le jeudi soir, bah j'ai Paul, donc je rentre tard, donc ça fait quand même déjà sur les 4 soirs, ou 5 soirs où potentiellement je rentre tard. Et j'en enlève un déjà où je laisse Vincent superviser tout le reste. Donc quand je rajoute un jour comme aujourd'hui par exemple, bah, ça me fait culpabiliser, oui, parce que du coup je me dis que j'ai de la chance et que bah, sans Vincent je pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc voilà, je suis très reconnaissante de tout ce qu'il fait pour nous, pour notre famille, même si c'est normal. Bah, je suis reconnaissante parce qu'il fait des choses aussi pour que moi je puisse m'épanouir. Et c'est ça un bon partenaire, c'est ça un compagnon, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui vous aide au quotidien, qui vous pousse aussi dans ce que vous faites, et qui, comme mes études, j'aurais jamais pu faire mes études sans lui, et j'en suis hyper reconnaissante, pas au niveau financier parce que je m'assume, mais au niveau horaire, tout ça. Il faut être reconnaissante des fois au sein de son foyer et pas oublier tout ça, et voilà, moi j'oublie pas, même s'il y a des moments où il me prend le chou, ou comme tout couple, on se chamaille, hein, c'est normal, là ce soir je suis plus dans un stade de reconnaissance, voilà. Et j'attends Mera Nénès. Elle aurait dû arriver lundi, il y a du retard, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les courses que j'ai faites, il y a eu une couille. C'est-à-dire que la course tâche, au mois de novembre, ma première course officielle, il n'y a plus des cordes. Et ce jour-là, j'étais indisposée le jour même. Voilà, impeccable. Deuxième course, c'était ma course à Pont-du-Château, 4 jours avant, grippe, angine.
génial, voilà. Et en plus de ça, j'avais quoi ? Mes règles, voilà, elles aussi, elles étaient là, tous ensemble, voilà. Et la troisième, coup de tête, le travail de Cournon, où il a plu jusqu'à 5h du mat et on avait ça de bon en dessous, alors que toute la semaine, il faisait beau, voilà, hein, impeccable. Et là, et ben là, là, du coup, dimanche, je me tape encore une crève, sinusite, otite, semaine de barbare. Pour ça, je privilégie beaucoup mon sommeil. Vous avez pas eu beaucoup de vlogs, hein, parce que dès que je peux, je vais au lit pour privilégier aussi mon sommeil, hein, vis-à-vis de la course et du coup pour moi-même. Et j'attends mes rougnas. Donc on est vendredi demain. Donc quoi qu'il arrive, je vais courir avec une patte à fesses. Pour pas dire le mot, c'est UL. Bref, voilà. Écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog un peu farfelu vous aura complètement plu malgré tout. Demain, on est vendredi. Je vous filmerai le retour de course que je vous posterai, je pense, soit demain soir. Ouais, soit demain soir ou dans le week-end, samedi. Peut-être plus pour samedi soir. Peut-être plus pour la journée de samedi puisqu'on a un week-end extrêmement chargé. Donc, je pense que je ferai ça. Et vendredi, demain, je vloguerai ma journée. Voilà, on va reprendre un petit rythme pour demain. Il n'y a rien de prévu demain soir. Je rentre à ma maison tôt. J'espère. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis 1, 2, bisous.